Permettez-moi de vous souhaiter encore une fois de plus mes vœux les meilleurs parce que nous sommes pour ce premier numéro de votre émission Sans Façon. Donc à vous toutes et à vous tous, bonne et heureuse année 2023 et que la grâce et la faveur de Dieu vous soient échues en partage. La thématique qui retient notre attention aujourd'hui est la suivante. Le coaching en développement personnel est-il biblique? Une science qui se base sur la connaissance de soi à ses limites. La Bible déclare que le cœur de l'homme, il est tortueux. Qui le connaît? Ça dépend du niveau d'aspiration dont on est en train de parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses, bien entendu, que le coaching peut régler. La parole de Dieu est tout. Elle fait tout. Que ce soit l'intelligence que nous avons besoin, que ce soit du maître que nous avons besoin, que ce soit du succès que nous avons besoin, tout y est dans la parole de Dieu. Le coaching en développement personnel est fondé sur l'estime de soi. Alors que nous, en tant que chrétiens, on ne s'appuie plus sur nous. C'est ce que le pasteur Kokora a dit. En aucun moment dans la Bible, on ne voit le coaching en développement personnel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que...